Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment prouver que deux ensembles sont égaux. Donc supposons que dans un énoncé, on vous parle de deux ensembles, grand A et grand B, et on vous demande de montrer que A est égal à B. Supposons que vous ne savez pas par où commencer. Cette vidéo est faite pour vous, tout simplement. Dans cette vidéo, on va voir trois différentes façons de le prouver. Donc la première façon sera calculatoire, purement calculatoire, calcul. Deuxième façon, on va prouver une double inclusion entre A et B. Troisième façon, en utilisant la fonction caractéristique d'un ensemble. Donc, ces trois méthodes, nous les verrons toutes dans une seule vidéo. Donc première méthode, si on veut prouver que A égale à B, on va tenir compte des propriétés de distributivité, de commutativité et d'associativité, donc des opérateurs union et intersection. Donc, pour mettre en pratique ces propriétés, donc on va tout simplement prouver, dans cet exemple, que x moins y inter z est égal à x moins y union x moins z. Pour commencer, on commence donc par un terme de notre égalité et on veut arriver à l'autre terme. Donc x moins y inter z est égal à x inter y inter z, le tout barre. On sait que a moins b est égal à a inter b bar, donc c'est le même principe. Donc poursuivant, y inter z le tout bar est égal à y bar union z bar. Donc c'est une propriété qui est inhérente à l'opérateur complémentaire. Donc maintenant on va appliquer la distributivité de l'opérateur intersection par rapport à l'union. X inter y bar union z bar est égal à x inter y bar union x inter z bar. Je rappelle que donc la distributivité de l'inter par rapport à union se lie à inter b union c est égal à a inter b union a inter c. Donc, ces propriétés, vous êtes censé les connaître. Donc, vous les verrez dans vos cours. Donc voilà, x inter y bar à quoi c'est égal? X moins y. Et x inter z bar est égal à x moins z. Donc on a prouvé notre égalité uniquement en appliquant donc les propriétés de distributivité, de commutativité et d'associativité des opérateurs sur les ensembles. Maintenant, voyons la deuxième façon. La deuxième façon consiste en la double inclusion. Donc le principe est tout simple. Si vous voulez prouver que A égale à B, on va prouver que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Donc l'inclusion... le principe à connaître alors, il se résume à savoir prouver que A est inclus dans B. Pour prouver que A est inclus dans B, il suffit de commencer par un X quelconque appartenant à A et de prouver que le X que vous avez choisi au début, il appartient à B. Donc mettons en pratique donc, la double inclusion, le principe de double inclusion sur le même exemple que l'on a vu tout à l'heure. Donc X appartient à X moins, grand X moins Y inter Z peut se lire, petit X appartient à grand X. Et petit x n'appartient pas à y inter z. Qui peut se lire également, petit x appartient à grand X et petit x n'appartient pas à y ou petit x n'appartient pas à z. Qui peut se lire? Donc maintenant on va appliquer l'associativité du et par rapport au ou dans les opérateurs logiques. Donc x appartient à grand X, petit x appartient à grand X et petit x n'appartient pas à y, ou bien petit x appartient à grand X et petit x n'appartient pas à z. Autrement dit, l'implication devient x appartient à grand X moins y ou x appartient à grand X moins z. Autrement dit, x appartient à x moins y union x moins z. Donc on a commencé par le premier terme qui était égal à x moins y inter z. Et on a prouvé que x appartient à x moins y union x moins z. Du coup on a prouvé que donc, grand x moins y inter z est inclus dans x moins y union x moins z.
Donc pour prouver l'égalité, il suffit de montrer l'inclusion dans le sens inverse. C'est-à-dire que x moins y union x moins z est inclus dans x moins y inter z. Cet exercice, je vous laisse le faire par vous-même. Donc la troisième façon de procéder consiste en l'utilisation de la fonction caractéristique sur les ensembles. Donc la fonction caractéristique sur les ensembles, elle nous offre une méthode assez pratique et plutôt simple pour prouver des opérations sur les ensembles. Donc la fonction phi de A est définie par, pour tout x, phi de x égale à 1 si x appartient à A est égal à 0 sinon. Donc d'une certaine façon, elle me représente une type de signature de l'ensemble A sur l'ensemble E. Donc vous devez connaître certaines propriétés sur phi, bien sûr. Les propriétés sont facilement démontrables. Donc juste après avoir lu la définition, vous êtes en mesure de les prouver. Donc je vous recommande de les retenir. Elles sont plutôt semblables aux propriétés du cardinal. Donc juste un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. Et donc, pour prouver que A égale à B, il suffit de montrer que phi de A est égal à phi de B. Voilà, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc vous pouvez prouver cette propriété vous-même, d'accord? Et c'est une propriété qui figure normalement dans le programme et dans le cours. Sinon, donc vous pouvez voir la vidéo de Kezako qui traite la fonction caractéristique sur les ensembles. Donc maintenant, prouvons, appliquant ces propriétés dans un seul et même exemple. On veut montrer que A union B moins A inter B est égal à donc la différence symétrique de A et B. La différence symétrique, elle me représente la quantité, l'ensemble A moins B union B moins A, pardon. On commence par écrire, donc phi de A union B moins A inter B. Donc est égal à phi A union B inter A inter B bar, le tout bar, ok. On est bien d'accord? Donc d'après les propriétés que vous venez de voir, donc phi de A union B inter A inter B bar est égal à phi de A union B fois phi de A inter B bar. Qui est égal à phi de A union B. Donc phi de A union B, on va la développer sans perdre de temps. Ok. Donc phi de X bar est égal à A moins phi de X. Du coup, on l'applique pour l'ensemble X qui est égal à A inter B dans ce cas. Maintenant, on développe. On va trouver que c'est égal à quoi? Phi de A moins phi de A au carré fois phi de B. Et on a vu que phi de A au carré est égal à phi de A. Plus phi de B. Moins phi de A, phi de B encore une fois, parce que phi de B au carré est égal à phi de B. Moins phi de A. Donc bien sûr, phi de A inter B est égal à phi de A, phi de B. Donc moins phi de A, phi de B, plus phi de A, phi de B. Donc, je vais éliminer ça avec ça. Après, il me reste, c'est égal à quoi? Phi de A, plus phi de B, moins 2 phi de A, phi de B. Ça, en fait, c'est égal à quoi? Phi de A union B inter A inter B bar. Donc maintenant, prouvons que c'est égal à quoi, en fait? Prouvons que cette quantité-là, elle est égale à phi de A moins B union B moins A. Ok? Sans plus tarder, phi de A moins B union B moins A est égal, d'après les propriétés que vous venez de voir, phi de A moins B, d'accord, plus phi de B moins A, moins phi de A moins B, fois phi de B moins A, d'après la propriété que vous avez vue. Bien sûr, cette quantité est égale à phi de A inter B bar, plus phi de B inter A bar, moins. Maintenant, on va lire le produit comme étant une fonction caractéristique d'un seul ensemble. Cet ensemble est bien sûr, donc on va appliquer le fait que phi de A moins B, donc phi de A fois phi de B est égal à phi de A inter B. D'accord? Donc le A et le B dans ce cas, on a A moins B et B moins A. Du coup, moins phi de A moins B inter B moins A. Bien sûr, A moins B inter B moins A est égal à l'ensemble vide. Et le phi de l'ensemble vide est égal à 0. Parce qu'aucun ensemble, aucun élément n'appartient à l'ensemble vide. Du coup, on a ici phi de A, facteur de 1 moins phi de B,
plus phi de b facteur de 1 moins phi de a, qui est égal à phi de a plus phi de b moins 2 phi de a phi de b. Qu'est-ce qu'on vient de prouver maintenant? On vient de prouver les deux sens, c'est-à-dire on a prouvé que phi de a union b moins a inter b est égal à phi de a moins b union b moins a. On en déduit l'égalité des deux ensembles, a union b moins a inter b avec a moins b union b moins a, aussi connu sous le nom de différence symétrique. Donc j'espère que cette vidéo vous a été bien utile et à la prochaine vidéo de surkazaku.com. Merci bien.